Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous les gars? Aujourd'hui, concept de vidéo fou malade. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne YouTube, que ce soit clair. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je vous présente le concept, comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature. Je vais me mettre là parce que sinon vous allez jamais me voir. Voilà, comme ça c'est carré. Comment allez-vous les gars? Aujourd'hui je ne serai pas seul et on sera nombreux aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, bon déjà on peut enlever la monétisation de cette vidéo. On le fait que pour le plaisir parce qu'aujourd'hui, voilà, il y aura du droit d'auteur. Je vais pas mentir, il y aura du droit d'auteur. Je vous explique le concept. Après on va aller rejoindre DJM. C'est qui DJM? C'est un pote à moi que je connais depuis pas mal de temps. Lui c'est plus la musique, moi c'est les vidéos et tout ça. Quand je vous parle de musique, lui c'est pas qui rappe ou quoi. C'est qui mec? C'est un DJ dû à son nom. Lui ça fait pas mal de temps qu'il fait dans un bar-restaurant qui s'appelle le Little Morocco. Donc c'est dans ma ville, c'est à Dunkerque. Et du vendredi au samedi pendant 2 jours. Et ça tous les week-ends, DJM il est présent et met le feu, tout le monde vient s'ambiancer. Du coup ce soir je me suis dit je vais proposer un bail, s'ils sont chauds on va faire une dinguerie. Du coup je vous balance juste ici l'affiche qu'on avait affichée dans nos stories et tout ça pour prévenir les gens. Je pense qu'on sera pas mal, je pense qu'on sera nombreux et je pense que ça va être une dinguerie. Du coup les gars, ma tenue de ce soir, vous inquiétez pas, c'est pas ça. Là il est quelle heure? Il est 19h55, je suis en train de télécharger Warzone 2 les mecs, vous inquiétez pas, la vidéo arrive. Bref c'est pas le sujet, je vais aller me laver, je vais me brosser les dents, je vais faire mes cheveux, je vais me saper et après on prend le bus à 20h24 direction le Little Morocco. Ça y est les mecs, je suis prêt, je suis paré pour la grosse soirée, ça va être une dinguerie. Par contre faut que je rouille parce qu'il est 20h17 et faut pas que je rate le bus. Du coup on y va sans plus tarder. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, de vous abonner, d'activer la petite cloche, c'est très important. Et puis c'est parti pour une soirée de fou malade mon gars. C'est parti l'équipe. Voilà, je me suis sapé comme ça, c'est carré. Les gars ça y est, on est arrivé au Little Morocco juste ici. Les gars ce soir ça va être le feu. Je viens de rentrer, on a rejoint DJM. Il est présent ce soir, il est avec nous. Il yo, est là le plus la famille, comment ça va mon ref? Tranquille et toi? La bien forme? Bien, ça va, on est là, hein. Ça dit quoi? Franchement, sans mentir, ce soir j'ai hâte. Ah, je vais te montrer comment ça fonctionne. Et ça va être une dinguerie les gars, j'ai hâte. Ça va être le feu. Du coup les gars, ce sera un peu sombre ce soir, je vous cache pas. Là on est dans la partie où c'est le plus clair. Mais ce soir, ouais, c'est la préparation un petit peu, hein. Ça prépare à grail, tout doux. J'augmente la lumière. Il y a 2-3 bancs à... bouger. La lumière elle est assez cosy. Tu connais, c'est l'ambiance underground qu'on veut donner. Attends, on va faire un truc, c'est le seul moyen que j'ai. On va mettre du flash. Comme je disais. Sinon... L'ambiance on a fait maxi underground. C'est par rapport au style qu'on propose nous. Ouais. En termes de système, on est sur 2 PLX 1000, une DJMS9, de quoi faire kiffer le Dunkerquois. Déjà, tu regardes les machines, enfin les machines, non c'est même pas des machines, c'est des plaques de DJ. Il va m'insulter, il va me dire quel vibe mon gars, qu'est-ce que tu racontes là? Ouais, c'est des machines quand même, hein, ça reste des machines, des belles machines. Frère, c'est un truc de ouf, ouais, une sacrée plaque, hein, tu peux tout faire avec ça. Ouais, c'est vraiment spécialisé rap, tu vois. Le matos ici, il est fait exprès pour envoyer banger sur banger, c'est MyG, c'est une RS6, ça, tu vois ce que je veux dire? Tu m'as dit ça, c'est trap, ouais. FR et trap. Trap US. FR, trap US, un petit peu d'afro pour faire kiffer les demoiselles, de l'old school pour démarrer et après banger sur banger, tu connais. C'est quoi ça les petites touches là, les carrés là? En fait ça si tu veux c'est un pad, tu poses tes points Q, donc en gros les entrées que tu veux dans les sons tu vois, ouais. Et ça te permet de décaler pour faire des transitions et que ça rentre vraiment propre à faire en mode délire kermesse, tu vois le délire. Je vous mens pas, je comprends que dalle, je sais pas à quoi sert chaque bouton. Normalement si tu regardes bien, que tu réfléchis bien à la fin de la soirée, même d'ici demain tu pourras... De toute façon je vais observer tout ça. Tu pourras mixer comme un génie, on va faire des transitions MyG. Je vais devenir professionnel les gars, c'est carrément faux. N'hésitez pas à mettre vos plus gros pouces bleus pour DJ les gars, DJM. Pour l'instant il s'affiche juste en bas, on donne la force, on s'abonne et on partage à la famille, c'est super important. Du coup on va attendre un peu que le monde arrive et puis on se dit à tout à l'heure. Tu veux que je te dise un truc? Tu sais c'est quoi la musique que j'attends le plus ce soir? Devine. La musique que j'ai mis dans la story. Ah ouais. Fraîche la puff. Fraîche la puff, faut que je la chope. Putain. Et avec les enceintes derrière là, oh lolo, ça va être une dinguerie les gars. Ça va être un son de fou. En plus ça résonne donc. Tu verras, la salle elle absorbe bien le son, c'est bien équilibré. Ouais. De toute façon, il y a le micro qui... 7500 watts dans la salle. En vrai, t'accueilles combien de personnes ici? Franchement, le soir, faut compter sur des jours calmes, 150, 200, et ça pousse c'est pas mal en vrai. 300 et des poussières, tu vois. C'est pas mal de ouf, hein. C'est détente, tu connais, c'est la famille. En plus, je pense qu'il y a des gens qui vont connaître la vidéo, enfin, ils vont connaître DJM, ça va être une dinguerie. Et puis, j'ai hâte. Je me demande la réaction des gens quand ils vont se dire, c'est quoi la vidéo? Ils vont se dire, wesh, c'est un cinéma ou c'est comment? J'ai hâte, les gars, j'ai hâte. La première question que j'ai posée à DJM, c'est est-ce que t'as un micro? J'ai pas pour quoi, ça m'ambiance. Il m'a dit pas, bien sûr que j'ai un micro. On va pouvoir l'utiliser. Ma monétisation, faut pas compter sur elle ce soir. C'est mort, c'est fini, c'est dead. Tu peux balancer une petite zik là ou pas? Je vais balancer une fois que t'auras parlé. Ce soir les gars, on est au Little Morocco avec DJM. C'est incroyable. Ça met l'ambiance ici ce soir. On est tous ensemble. Prends le micro d'ambiance.
J'avais dit que ça débutait à 21h, mais au final il y a un peu de retard parce qu'il y a un petit problème, on va pas se mentir. Et comment dire, c'est déjà full devant. C'est déjà full. Vous allez pas voir parce qu'il y a un rideau. Regardez quand je c'est déjà full les gars. Hein. Ouais gros, viens voir. Viens avec moi. Tiens ton bordel là. Franchement, il y a déjà pas mal de monde. Tu le sens comment, mon gars? Tu connais, c'est les aléas, hein. On est là pour faire ça, mec. Voilà, ça va être le feu, les gars, ça va être le feu. Allez, s'il vous plaît, on va les faire entrer bientôt. On va commencer les entrées, s'il vous plaît. Fais une file sur le côté. Vous mettre une file. Eh, hey, Mathis, ouais. Essaye de prendre un plan sur la tête. Ça va être le feu ce soir. Gang, DJ M. C'est comment, là, mon gars? Ouais, dis, tu connais, on ouvre le rideau. Ça ouvre le rideau en bas. Je vais filmer un peu la queue, la file d'attente. Ça peut être pas mal, je pense. Et puis, on verra bien. Dans tous les cas, là, les entrées vont commencer. Donc, la soirée va débuter. Ça va être le feu, tonton. Ça va être le feu ou pas? Ouais. T'es chaud pour ce soir? Ça, c'est le vigile. Ce soir, les gars, pas d'embrouille. La joie, la bonne humeur, c'est le plus important. C'est une dinguerie, il y a déjà pas mal de monde. Et puis ça, c'est que le début. C'est que le début, les gars. C'est l'échauffement, les gars. J'espère que vous m'entendez. Je suis obligé de crier parce que franchement, on entend que dalle. L'espace de danse n'est pas encore ouvert, mais le bar est ouvert. C'est un peu sombre, je suis désolé. Là, ça commence à se remplir tout doucement, il est assez tôt. Mais franchement, il y a pas mal de monde. Là, c'est plus ambiance où je bois un verre et après, voilà, c'est la teuf. Tu vois ce que je veux dire? Bon, normalement, c'est plus clair. J'ai augmenté la luminosité de la cam. Du coup, c'est beaucoup mieux, les gars. Du coup, comme je disais, là, c'est chill. Ça va commencer à partir en cacahuète. Ah, les gars, on est chaud. Là, ça va être dingue. Ça prend bien comme il faut. Doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement, les gars. Les gars, dites-vous, demain il y aura encore plus de monde. Et samedi demain, les gens seront encore plus en force. Il y en a qui sont chauds ce soir. Que penses-tu de l'ambiance de ce soir, Karim? Ça va pour un vendredi à Dunkerque, pas mal. Toujours là, mon gars, toujours. Là, je me mets un peu à l'écart parce que franchement, il y a pas mal de monde et la musique, voilà, on n'entend pas tout. Comme je vous ai dit, c'est sur deux parties. Demain, il y aura beaucoup plus de monde, je pense, parce que c'est samedi soir. Et samedi soir, il y a beaucoup plus de monde. Ça se passe bien pour le moment. Là, c'est mon son qui va passer, les mecs. C'est le meilleur son du monde. Ça, c'est pour toi, mon frérot. C'est pour toi, là. Est-ce que ça va passer? Le poteau avec ses lunettes, il se fait chier, il danse pas. Faut le faire danser, les gars, ça va pas là. Eh hey, frérot, si tu veux pas danser, viens à côté de moi. Viens. On est avec mon gars là. Les mots sont pas même par là. C'est la misère. L'alcool à boire avec modération. Je crois que c'est un mec. T'en penses quoi de la soirée là? Franchement, bête de soirée, break la semaine dernière, incroyable. Ah, t'étais là le week-end dernier? Ouais, le week-end dernier, c'est la première soirée que j'ai fait. Ça se voit, c'est un gars, il est tout le temps là. Non, en mode, la semaine dernière, première soirée ici. Mais en vrai, ça, c'est le feu, vrai, c'est le feu. Ouais? Ouais. Le samedi, c'est meilleur, non? Ouais, en vrai, moi j'étais venu à samedi. De toute façon, du moment que c'est vendredi, samedi, ça va les couilles, du moment qu'on fait la fête. Du coup, je regarde demain, non? Ouais, ouais. Ah, mon gars, on va se reprendre. Ah, vas-y. C'est carré, mon gars. Eh, hey, samedi, c'est encore mieux. Bonsoir,
ma 10. Est-ce qu'il y a des vrais sangliers dans cette salle ce soir? Théo, ce soir, Théo. On est là, regarde. Est-ce qu'il y a des vrais sangliers dans la salle ce soir, s'il vous plaît? Imagine demain. Là, les gars, on est là. Allez, un maximum de bordel sur ce son. On va faire une ovation pour Mathis ce soir. Vas-y, va dans le milieu, va au milieu. Faites-moi un cercle, s'il vous plaît. Sortez tous vos plages et faites-moi un cercle, s'il vous plaît, la famille. Ok. Les gars, je veux un maximum de bruit. Je dis tellement au fond. Tout le monde, je veux un maximum de bruit pour Mathis ce soir. Allez, les gars! Je veux un maximum de bruit sur ce soir, le Lidl. Merci à tous les amis. Le goulag, ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Même avec personne, nous on s'en bat les couilles. On passe avec tout le monde, char à main, les couilles. Ce soir, c'est le feu. C'est pas juste comment le micro il tremble. Comme le gérant du ghetto, on est dans la marque. Bon les gars, je sais pas si vous me voyez très bien, mais là c'est la fin de la soirée, il est 2h du matin. Du coup on coupe là mais on reprend demain soir. Un petit débrief. Ouais. Incroyable, mais demain ça va être encore plus incroyable. Du coup les gars, je disais demain ce sera encore plus incroyable parce qu'il y aura encore plus de monde. Déjà ce soir c'était le feu. Et demain on va balancer du lourd, mais non, c'est pas prêt. Alors, le débrief sur la soirée. On va se revoir demain pour la même chose. Les gars, ça va être encore plus die que ça. Vous avez déjà vu les images de soir? Demain, même bordel, plus de monde. Ça va être incroyable, les gars. Holland. Là, on est tous là, réunis. En famille, en équipe. Ouais. Là, tout le monde est sorti, c'est carré dans l'axe. Et puis voilà quoi. Franchement, c'était une bonne soirée. On a bien kiffé. Et puis après, c'était carré de ouf. Débrief sur la soirée, c'était. Tu vois pas que je parle là? Débrief sur la soirée, c'était un bordel. Tu connais Chill, c'est vendredi soir. Demain, bangers sur bangers, deux fois plus de monde. Tu verras les plans, de toute façon, toi, t'en as pensé quoi de la soirée? C'était incroyable. Ouais, t'as kiffé? Et demain, ça va être encore t'as mieux. Kiffé? Oui, Théo, à moi. Du vendredi, débrief du vendredi ou pas? Attends. Qu'as-tu pensé du vendredi? Ce vendredi là. Ça va. Moi, j'ai dû travailler. Ouais. Donc en vrai. Mais pas parce que bien. Théo, il a donné un coup de main à tonton Karim. Bah, frère, c'est tonton, t'es obligé. T'es obligé, hein. Mais demain, attention, demain, je ne travaille pas. Ça va être J'envoie. Ça et ça va passer, aller. ça. Attention, vous allez voir. Faut venir, hein, vous allez voir par vous-même. Let's go. En vrai, on reprend. On reprend demain genre. Encore mieux. Tournage. En plus, plus. Ouais, frère, là, on va fini ou pas fini? Il y a un after. J'ai un petit appel. Allô? Demain. Ça, sur la gueule de Mathis. Voilà, derrière. Ah, les gars, retiens. Mais tu veux filmer, c'est moi qui paye. Ah, on a retenu, hein. C'est moi qui paye. T'as vu ce qui était marqué? Il est marqué Winner Champagne. Winner, c'est pour moi. Allez les gars, let's go. Du coup, là tu laisses ton matos pour quoi? Là je laisse le matos pour demain, un petit peu de cendre, hein. C'était la guerre en même temps, on n'a pas le choix. Après il y avait pas mal de monde. Ouais, bien full, pour un vendredi tu vois, au moins le vendredi les gens viennent. C'est souvent les fidèles qui viennent le vendredi. Tu connais, c'est les travaux, tu connais. Les gens viennent le vendredi pour foutre un bordel. Ils sont là, fin de semaine de travail. Il y a toujours un truc, hein. Ah bam. Voilà. Pour revenir sur le matos, moi je reste tout ici. Demain je reviens, je repose mon Mac et on refait un bordel de telle heure à telle heure. Ça va être un zbeul les gars demain. Et en système son, pour ceux qui demandent, parce qu'il m'a dit qu'il y avait pas mal de gens qui demandaient, on est sur deux maquis de 3500 watts chacune. Des GMS9, PLX1000, les vrais connaisseurs se reconnaîtront à travers le matériel de qualité. Voilà les OG, les DJ, moi je les gérants de son, on vous veut en commentaire les gars. Demain ça va être incroyable. Demain ça va être n'importe quoi. Demain j'annonce demain. Je casse tout. Si t'es pas là, les abonnés vont être bien. Demain, le fil rouge, c'est le mien. Ah, la bande rouge. Franchement, j'ai passé une vraiment bonne soirée, tout ça. Une bonne première soirée au Little Morocco. C'est la première fois. Et franchement, je regrette en rien, vraiment. Et demain, j'ai hâte. J'ai hâte de porter le micro encore une fois. C'était le feu, bébé. Voilà les gars, c'est la fin de cette première soirée. Vendredi c'était le feu, les gars, merci à tous d'être venus. On attend demain avec impatience, avec DJ M, les gars, il a mis le feu ce soir. On va la même chose demain l'équipe, la même chose. Un maximum de DJ M dans les commentaires, franchement t'as du talent. Je connais depuis le collège, les gars,
Franchement, je me serais jamais dit un jour il aurait fait une dinguerie comme ça. On a chacun nos projets et ce soir, il les accomplit, ses objectifs à lui. Du coup, les gars, on se retrouve demain soir, et samedi. Un maximum de thumbs up. Ça, c'est important, l'équipe. Sartek de prendre l'initiative de le faire parce qu'on a peu qui le font. J'ai tout ce que tu veux. Je croyais que tu parlais. Désolé. Il a balancé. Faut aller le rattraper, gros. Il a balancé le feu comme ça. Ah, Maïji, on va aller casser la croûte là. La fonce dalle, ça grand. Les gars, après l'effort, le. Le réconfort. Exactement. Un gros tacos. Et c'est carré. Les gars, deuxième jour, on est présent. Il nous faut, quoi. Maïji, tu connais ton gars. Il est fatigué, il est fatigué. Après la fin. Jamais, tu vas voir. Pas de fatigue ici. C'est comment mon DJ M? Bah écoute frérot, hier je t'ai montré comment ça fonctionnait avec une platine. Aujourd'hui ouais. On va sortir les deux en mode performance, en mode bordel, en mode même schéma qu'hier mais en deux fois. En plus costaud. Voilà. Ça va être carré les gars aujourd'hui, ça va être carré. Karim, ça va bien? Ouais. Karim il est concentré là, Karim il est concentré. Bon, est-ce qu'on s'attend à plus de monde ce soir ou quoi? Bah ouais. Écoute, théoriquement samedi jour de plus grosse influence hein. Mmh. On va aller voir s'il y a du monde. A mon avis, il y a déjà pas mal de monde. Je sais pas si vous voyez. C'est full. Ah, il a fermé les lumières. On va attendre un peu. Ça vient juste d'ouvrir. Les vigiles, ils ont ouvert les portes. Du coup, là, il y a tout le monde qui est là. Bon du coup les gars je vous donne un peu de nouvelles, ça commence à se remplir tout doucement, la porte elle est ouverte, et voilà quoi, ça arrive tout doucement. Attends, je vous ai ramené une petite surprise les amis, c'est pas fini, devinez je suis avec qui? Elle est là les gars. Emma elle est venue avec nous. TikTok, Instagram, voilà. Elle est arrivée direct, elle a fait sa pub, ça y est, c'est la première fois qu'elle vient. Non. Ok. Ce que Karim il me disait tout à l'heure c'est qu'en fait là en gros les gens ils mangent, prennent l'apéro comme hier. Et après directement ils pourront aller danser. Et après la foule elle va s'améliorer tout ça, donc en vrai c'est bien. Ce soir ça va être masterclass les gars. Karim là il est en train de servir les gens. Et ça commence à rentrer tout petit à petit. Le service commence. On va partir sur un set. Là on va... Le warm-up il est fait. Les gens ils sont rentrés. Ils commencent à s'alcooliser un peu. On part sur du... la trappe. Histoire de lancer la soirée et foutre un bon gros chiot à l'intérieur. Ça va être un chiot ce soir. On attend les... Ça va arriver. Ça commence à partir en couille, un petit peu. Ça commence à arriver les gars. Le Little Morocco, ça va ou quoi ce soir? Ah bah on va essayer de vous réveiller un peu parce que vous avez l'air de dormir. Regardez qui j'ai retrouvé. L'équipe est là. Les gars c'est fou là. Ce qui se passe c'est complètement incroyable. T'es là? Tu peux l'être pas ici. T'as le collègue. Là, t'as les autres collègues. A mon avis, on est au complet. Y'a pas plus. Ils sont chauds. Il est concentré, le Théo, il est concentré. Ça y est, il est chaud. Voilà. La Little Morocco, c'est comment ce soir? Ouais. Un maximum de bruit pour Mathieu ce soir, s'il vous plaît, à la caméra. Les gars, la vie de ma mère était trop chaude. Il fait trop chaud. Même, franchement, il a tout enlevé. On va finir un poil. Il a mis notre musique, les gars. Faut que je la chope. C'est un spoil, les gars, c'est un spoil. Ah, ils sont méchants, ils sont méchants. J'ai jamais dit ce soir, on l'envoie. Oui, monsieur. C'est des anins. La vie de ma mère, tu dis pas quoi. C'est la fin, c'est la dernière musique, ça n'a rien à voir avec hier.
Un maximum de bruit pour Baptiste ce soir, s'il vous plaît. La vidéo, elle sort dimanche prochain. Les lumières, car même si ça ne te dérange pas. C'est bon, c'est terminé. Ça fait mal aux yeux. Ah ouais, vous êtes très beau là, hein. Vous êtes bien entamé. Hein. Le dawa, ce genre de dawa, tu vois, derrière mon front. C'était énorme. Merci pour ces deux jours. Ça, c'est le boulot, il a été fait. Lui aussi, il a fait tout le boulot. Un micro de cassé, mec. Il n'y a plus de micro. C'est bon pour vous, il n'y a plus de micro. Et malheureusement, c'est déjà fini. Les gars, là, ça va partir sur un petit after, je pense. Hein. Franchement, c'était incroyable. C'était mieux qu'hier. Il était toute la fumée, incroyable. On va sortir pour voir le monde qu'il y avait. À mon avis, ils sont déjà partis. Voilà, moi, je suis le vlogueur. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de contenu. Si vous voulez, je peux revenir et tout ça, ça peut être bien. Tous les week-ends, une petite vidéo ici, ça peut être cool. Ou autre part, ou autre boîte. Dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est dingue. Je viens juste de me rhabiller là, les gars. La chaleur est finie. On peut se rhabiller tranquillement. Le t-shirt, c'est fini. Je veux que vous me dites en commentaire si vous voulez qu'on continue ici. Tous les week-ends, que ce soit les gens qui viennent en soirée ici, c'est le feu. François, il met le feu tout le temps. Gros big up à lui. Donnez-lui là ce soir. Envoie-lui masse de messages. On s'organise tout ça. Avec Karim, le patron d'ici, il y aura de plus en plus d'améliorations. Je veux qu'en commentaire, vous dites on continue. On arrive sur la fin de la vidéo. Ah là là, mon gars, c'était un lourd week-end. Mon gars, qu'en as-tu pensé? Bah écoute, frérot, comme tu vois dans les rushs, hein, le vendredi, plutôt calme. Tu connais, hein, les gens, les fidèles, comme je t'avais expliqué. Et le samedi, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre, ma gueule. Franchement, j'ai kiffé. L'ambiance, elle est incroyable. C'est la première fois que je venais. La vie de ma mère, j'ai kiffé. Et DJ M, il met le feu. Hein. Les gars, c'est grâce à lui tout ça. S'il n'y avait pas de musique, il n'y aurait rien du tout. Pour donner un ordre d'idée, avec les entrées qu'on fait, ce soir, on était 213 exactement. On a fait 213 entrées. Hier, on était largement moins, on était 110. Ah ouais, donc c'est une centaine de différence. C'est 100 personnes de plus. Ouais. Bah, c'est ce qui fait le bordel, de toute façon, dans tous les cas, comme tu l'as vu. De toute façon, c'était la guerre, hein, les gars. Vous regardez dans les premiers rushs, on avait dit demain, ça va être la guerre. Et franchement, c'était une dinguerie. Merci à toi, mon ref. Merci à toi, frérot. Ça a été un plaisir de faire une vidéo avec toi. Big up au Little Morocco. Big up à toute l'équipe, à manager, tout le bordel. Big up aussi à tout le monde qui sont venus. Exactement. Parce que sans ça. Un gros merci à vous. Sans vous, ça n'existe pas. Certes, on fait le boulot, mais derrière, c'est vous qui permettez de donner l'énergie, de donner la force, de faire que tout ce qu'on construit, ça se pérennise. Dernière petite chose, je me permets, un gros big up au Little Morocco. Ceux qui regardent la vidéo, qui n'ont pas l'occasion de venir, ça vous permet de voir à quoi ça ressemble et de pas trop avoir d'a priori par rapport à ce que c'est. Vous connaissez, il y a une seule adresse, c'est Little. Moi, je suis là-bas. Si vous kiffez le concept, comme je l'ai dit à Karim tout à l'heure, ouais. Il dit, si les abonnés font chaud, est-ce qu'on continue? Il m'a dit oui. Il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez deuxième partie, ou pas tout problème, ce que vous voulez, les gars, bienvenue, tous les vendredis, tous les samedis, retrouvez DJ M en place. 22h, Little Morocco. On donne assez fort à DJ M. Sur ce, on vous fait de gros bisous. Vous êtes les boss. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, d'activer la petite cloche de notification, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. L'Instagram de DJ M s'affiche juste en haut. Et peut-être que deuxième partie. Troisième. Ah oui, bah oui, troisième épisode. On vous tient au courant, les gars, vous êtes les boss. Et à très vite. Ciao.